nani oyo abongi na lokumu soki azali oyo atondisa likolo mpe na se na bonzambe na ye Yesu ata bandoki ya mokili oyo basangani esika ya nzambe ezali kaka na Yesu Kristo ata bamagicien ya mokili oyo basangani bonzambe ezali kaka na Yesu Kristo ata satana asangisi bato na ye esika ya nzambe esimami kaka na Yesu Masiya. Oh, tika ete azwa lokumu. Yeah.
pasi fezo si lati. Nini, olingo ye na biso nzamba kusilisa pasi. Oyebi esika to uti poto komati lelo. Oh. Il a présent, il a présent, il est présent. Ah! Zambi, soko moni de nzamba si talaka na bongo ya batu. Oh, revoir les beautés à souffrir.
C'est lui qui veut, sera sauvé. C'est lui qui veut, sera condamné. Oh, Jésus n'est pas le bienvenu. Je ne suis pas le bienvenu. Oh, Jésus n'est pas bien accueilli. Je ne suis pas bien accueilli. Si vous refusez Jésus, vous me refusez aussi. Si vous refusez Jésus, vous me refusez aussi. Oh, Jésus n'est pas le bienvenu. Je ne suis pas le bienvenu. Yahweh, 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 Yahweh,
Alléluia. Amen. Je sais que tout le monde est abattu. Mais on va laisser un peu de temps à du passage. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 jusqu'au 17e verset. Et la Bible dit ceci. Ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes comme les gens qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ avec lui tous ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dépasserons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signe donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, des trompettes, descendant du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ainsi que nous serons toujours avec le Seigneur. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La Bible dit, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes. Si nous croyons que Jésus-Christ est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ ceux qui sont morts avec lui. Vous savez, les chrétiens de cette église thessalonicienne, ils étaient abattus par quelque chose, et ce qu'on appelle la mort. Ils attendaient l'enlèvement. Ils attendaient le retour de Jésus-Christ. Ils étaient tellement zélés. Ils pensaient que le retour de Jésus serait peut-être demain. Alors parmi eux, il y avait des gens qui commençaient à mourir. Alors ils étaient touchés par cette mort. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est venu consoler ces gens-là, exhorter ces gens-là à disant, écoutez-moi, la mort, ce n'est pas la fin du monde. Comme le monde a tendance de nous présenter que non, quand quelqu'un meurt, c'est fini. Il dit là, c'est pour les païens. Là, ramènera par Jésus-Christ tous ceux qui sont morts avec lui. Alors, il exhortait les chrétiens de Thessaloniciens de ne pas perdre leur espérance. Nous, nous avons une espérance. Nous avons la résurrection des morts. Nous avons l'enlèvement. Nous avons le retour de Jésus. Même si tu meurs aujourd'hui, ce n'est pas encore la fin. Parce que nous attendons la seconde résurrection. Nous attendons le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors l'apôtre Paul dira, ne perdez pas votre espérance. Nous avons l'espérance. Écoutez-moi, vous savez, l'une des choses que le diable a réussi à imposer, à mettre, que ce soit dans le monde, que ce soit dans l'église, c'est quoi? C'est cette espérance glorieuse. Hein? L'attente et l'espérance du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de personnes, même ceux qui sont à l'église, ils n'ont plus cette espérance-là. Nous n'avons plus cette espérance. Nous avons oublié qu'il y a la seconde résurrection. Nous avons oublié que non, il y a le retour de Jésus, il y a l'enlèvement. Beaucoup de personnes, ils ont perdu cette espérance. Voilà pourquoi il y a même ceux qui vont à l'église. Ils vivent n'importe comment, ils veulent vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus nous dit, c'est vrai que la mort ça fait mal, la mort ça déchire, la mort ça sépare des familles, la mort ça fait mal, mais nous avons la promesse. Jésus nous a fait la promesse, je m'en vais, mais je reviendrai.
je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimé, la promesse de Jésus est réelle. La Bible dit, bien-aimé, grave cette prophétie. Écris cette prophétie. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps, le retour de Jésus, la résurrection, bien-aimé, c'est une prophétie. La Bible dit, même si cela tarde, mais elle finira par s'accomplir. Jésus nous a promis, il reviendrait. Même si ça tarde, la Bible dit, elle ne mentira pas. La promesse de Dieu ne mentira pas. La Bible dit, elle va vers son terme. Ou bien elle va vers son accomplissement. La Bible dit, même si ça tarde, attends-la. Attends la promesse. Il y a le retour de Jésus. Il y a l'enlèvement des morts. Bien-aimés, nous les chrétiens, nous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie, bien-aimés, la mort n'a plus le pouvoir sur nous. Bientôt, bien-aimés, la Bible dit la mort lui-même, il y sera ligoté. La mort lui-même, il y sera enchaîné. Alléluia. La mort n'a plus le peu de pouvoir pour nous les enfants de Dieu. Voilà l'apôtre Paul dira, mort, où est ta puissance? Mort, où est ton aiguillon? Toi qui terrassais des familles, toi qui terrassais toutes les nations, la mort sera bientôt engloutie. Nous avons l'espérance, le retour de Jésus et la résurrection des morts. Jésus-Christ, bien-aimé, reviendra. Jésus revient bientôt. Et il revient prendre son église. Il revient prendre, bien-aimé, les gens qui se préparent. Quand je dis Jésus reviendra prendre son église, il ne s'agit pas, bien-aimé, de nos églises locales. Il ne s'agit pas que moi je suis catholique, je suis évangélique, je suis protestant. Jésus n'a rien à voir avec nos églises. Jésus viendra prendre son église en lui. La Bible dit, pour présenter devant Dieu une église glorieuse, une église sans tache, une église irréprochable. C'est-à-dire l'ensemble de tous les enfants de Dieu qui craignent Dieu, qui marchent dans la sanctification. Jésus ne va pas enlever nos églises, parce que dans nos églises, il y a trop de fausseté. Dans nos églises, bien-aimés, il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils sont encore dans l'avortement. Les gens à l'église, des sorciers. Les gens à l'église, ils sortent avec les maris d'autrui. Les gens à l'église, ils sortent avec les femmes d'autrui. Les gens à l'église, avec l'occultisme. Bien-aimés, l'église ne te sauvera jamais. Ton pasteur ne sauvera jamais. Laisse-moi te dire, la plupart des gens qui vont à l'église ne seront pas enlevés. Je te dis la vérité. La plupart des gens qui vont à l'église, quand Jésus revient, 70% des gens qui vont à l'église ne seront pas enlevés. Dites-moi pourquoi. Parce qu'ils sont à l'église, ils t'aiment à ma peine. Ils sont à l'église qui nous bloquent. Ils sont à l'église qui nous battent. Mais ces gens-là vont rester. Ne vous y trompez pas. Ton pasteur te connaît. Est-ce que Dieu te connaît? Tes offrandes, que tes offrandes ne te trompent pas. Que ta dîme ne te trompe pas. Ta dîme ne te trompera pas. Tu pourras donner la dîme du premier au temple. Si tu es dans la société, tu vas rester. Mais la personne qui ne donne pas sa dîme, si la personne a craint Dieu, il sera enlevé. Bien-aimé dans le Seigneur, la plupart des gens sont séduits par nos églises. Mais la Bible dit gloire à Dieu pour ceux qui sont en Christ. Car Dieu ne nous a pas prédestinés à la colère à venir, mais à l'acquisition du salut par son Fils Jésus-Christ. Donc ceux qui se lavent, ceux qui se purifient, ceux qui marchent dans la sainteté, quand la trompette sonnera, ils seront enlevés. Mais les faux chrétiens, les amis, mamabe, yakinumba, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, bien-aimé, tu ne seras pas enlevé, mais tu vas faire face à la bête avec le cachet de 666. Imagine-toi avec le cachet de 666. Où est-ce que tu passeras ton éternité? Alors, Dieu ne veut pas que tu subisses toutes ces choses. Voilà pourquoi Dieu nous parle. La Bible dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, je ne sais pas pour quelle. Peut-être Dieu a besoin seulement d'une personne, une seule personne qui peut prendre sa
la décision en disant, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je te pardonne. Parce que la mort est à la porte. La mort est en train de frapper. Peut-être Dieu la dira la seconde personne après notre frère. Mais Dieu t'a donné l'occasion d'écouter la parole de Dieu. Ne dis pas que moi je suis chrétien. Ne dis pas que moi je viens aller à l'église. Je le répète encore, ton église ne te sauvera pas. Ton pasteur non plus. Peut-être ton pasteur te connaît parce que Dieu t'a dit. Mais est-ce que Dieu te connaît? Tu risques de te retrouver toi et ton pasteur en enfer. Parce que tu mettais ton espoir, ta foi à l'église. Tu mets ta foi. Si on peut fermer les yeux. Si on peut fermer les yeux. Oui, la mort, ça nous fait mal. La mort nous sépare avec les personnes que nous aimons dans nos vies. La mort nous sépare. Vient de nous séparer avec notre frère Jean-Pierre. Son tour est arrivé. Et la Bible dit, exhortez-vous les uns les autres, consolez-vous. Nous avons une espérance, la seconde résurrection. Il y a la résurrection. Notre frère, s'il a connu Jésus-Christ, on va le retrouver. Son tour est arrivé, mais c'est toi qui es vivant. Parce qu'au moment dont je parle, notre frère ne nous écoute plus. Mais c'est toi qui m'écoutes. Tu as l'occasion, parce que lui, il n'a plus l'occasion de demander pardon. C'est fini. Mais toi, tu as encore cette occasion. Tu as encore cette opportunité de demander pardon. Dis-à, Seigneur, je reconnais que je suis péché. Pardonne-moi. Même si la mort me retrouve aujourd'hui, même si je meurs, que je meurs avec assurance. Que non, j'ai la seconde vie. J'ai la seconde vie. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que tu es. C'est toi le consolateur des cœurs brisés. Tu es le père des orphelins et le mari des frères. Seigneur, console cette famille. Console cette famille, mon Dieu. Viens de subir un choc énorme et grand Dieu. Fortifie ma soeur. Patricia. Fortifie ses enfants. Fortifie sa famille. Tu nous as promis, je t'abandonnerai point et je te délaisserai point. N'abandonne pas cette famille, toi le père des orphelins. N'abandonne pas cette famille, toi le mari des veuves. Accorde ta grâce à cette famille. Accorde ta grâce à cette famille. Ta grâce, papa, ta grâce. Console-les, notre Dieu. Sois avec eux. Parce que tu nous as promis, même lorsque tu traverserais le fleuve, je serai avec toi. Et le fleuve ne te submergeront pas. Même si tu marches au milieu de feu, tu ne seras pas consumé. Car je serai avec toi. Seigneur, sois avec cette famille. Dans le nom de Jésus. Bénis notre Dieu, toutes les personnes qui ont écouté cette exhortation, Jésus. C'est toi qui changes les cœurs. C'est toi qui touches les cœurs. Change notre Dieu, nos cœurs. Que la puissance du Saint-Esprit nous transforme. Que la puissance du Saint-Esprit nous change. Nous voulons renoncer au péché. Nous voulons renoncer au mal. Béni sois-tu pour ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Thank you.
Ce que nous avons été ici aujourd'hui, c'est pour le décès et les adieux à celui qui fut pour certains juste une connaissance, pour d'autres un ami, un parent ou un frère. Pour moi, c'est un père, un papa. L'homme de référence, le géant dans l'eau, de qui j'ai fait mes premiers pas. Celui qui m'a appris patiemment tant de choses, qui m'a donné l'éducation et les armes pour affronter sereinement la vie, toujours positif et débordant d'optimisme, mon héros, toujours à l'écoute de ses filles et de sa femme. Nous avons perdu un être très cher, mon père. Il était aussi mon meilleur ami et mon confident. C'était une épreuve difficile, en fait. Papa, nous avons partagé tant de joie. Tu as toujours fait en sorte qu'Elisa et moi ne manquons de rien. Tu nous avais préparé à beaucoup de choses de la vie, y compris à accepter ton départ, mais tu ne nous avais pas prévenu qu'il sera si difficile de t'accompagner à ta dernière demeure. Aujourd'hui, papa, nous sommes tous là à nous soutenir les uns et les autres. Mais demain, comment continuer cette vie, me réveiller comme les autres matins, voir ou penser à quelque chose, me dire « Tiens, il faudra que j'en parle à mon papa » avant de réaliser que je n'ai plus là. Nous n'aurons plus de discussions interminables. Papa, ta place au moment du repas à la maison nous reparlera. Nous rappellera cruellement ton absence physiquement. Mais dans nos cœurs, tu seras toujours présent. Mon hommage, papa, je ne sais pas comment le dire. Je voudrais plutôt te le montrer où tu es. Quand dans les semaines, ou mois, ou années à venir, mes larmes auront séché et que je supporterai le vide que tu nous laisses, te montrer comment je m'inspirais de ta vie, te montrer comment je me servirais de tout ce que tu nous as appris, pour te dire au revoir, comme depuis toujours. Avec Elisa, nous te remercions, Dieu, t'avoir permis que tu sois notre père, avec maman, la famille, les amis et tout le monde que tu m'as aimé ici. Nous te confions à lui, à Dieu. Merci. Thank you.
Thank you.
déjà ça trouve. Oh, tant de moi tu sais. C'est vrai. Même là où tu dis. Respecter quelques instants de silence. Merci. Je vous laisse la parole. Allez jusque moi. Nous avons parole parce que vous avez les paroles. Là, on a mal au bon, le vote là, c'est pas pour moi. Bon, ils allaient négocier chef de famille. Oh yo, tout ça n'aille. Tu as tiré là donc là, là le bas macambo yo bon. Y a moins de combats que moi là. Négocier tiré là y en a là. Donc Jean-Pierre, vous allez mouto, vous allez mouto. Les lots yo au premier esprit. Bisous, ils allaient donc, ils allaient beaucoup qu'on a bisous de toute façon. Nous sommes des Bantous.
Donc moi je le bah fait ça de toute façon. Mais dans un premier temps, la tunina nous parce que avant que notre Jean-Pierre m'enterre, mandingé singeli donc peut-être moto azana nyongonaie. Ce qui moto azana nyongonaie, notre Jean-Pierre aya pour mon avis. Ce qui peut Jean-Pierre azana nyongonaie moto moko dans ta tunina à mon avis, même si ça na mandingé na ya secret bon y a pas de quoi. Malheureusement, chef de famille a été dit qu'il y a un temps. Donc Jean-Pierre, la combo de la famille, il y a Kinsala. Donc Kinsala est un village de Bissau. Il y a un clan qui est Zinga. Ils ont eu le village de Bissau. Il y a du Congo. Jean-Pierre. Il y a une parole Oyo. Il y a Souka. Lelo ya Jean-Pierre. Yo zalaki moto lelo okomi esprit. Okomi esprit noko Jean-Pierre. Noko Jean-Pierre, to zalaki na yo. Poto sali sa famille na biso donc balubaki balubana mukiri donc loboko moko sokolaka elongite. Noko Jean-Pierre. Yo zalaki mayo faible était. Et puis, on a le courage de salir ce bateau pour salir ça. Et on a remercié de toute façon au fond de mon cœur pour salir quand même pour salir. Pour ne pas quitter son bateau, mais quand même au salir ça. Donc, Jean-Pierre, mission Abisso pour salir sa famille. Il y a donc Jean-Pierre. Ce qui est en Zambé. Tika mukano na ye eko kisama. Oyete ye muta pesa ka epe ye muta zwa. Kasi noko Jean-Pierre. Noko Jean-Pierre. Nandego souffrir. Mouni pas. Zoule la, ina mbeta opita. Soki ezali abatamoki. Natango oyo noko Jean-Pierre. Yo moko ozali esprit. Sika siko yo ozali esprit. Yo ozali. Africain, Noko Jean-Pierre. La seigne na yo, na combo ya famille na biso, ya Kinsala, na clan ki ya Kizinga, osa la vengeance, pour na pasi oyo yo yo omoni. Na malade na yo, sa la vengeance, pour chaque famille ezali na doctrine na yango. Maloboyo, e wuti epa na ngai. Et outil et pas ya chef de famille na biso noko zo la kibanketa nangai moko noko idwa ningo zo bien concernant clan Kinzunga bisusu na sengi na yo l'esprit a bien noko Jean-Pierre na sengi l'esprit a bien pour protéger bana otiki ba famille otiki tika oyo ezala lelo. Et ça va de l'eau. Salut, ça peut Sunga Bandego Oyo, Baye à Bayo, Pulelayo, Badelio Ming, Baninga, Badelio Yaming. Comment nous, Jean-Pierre, la Ming et la Zana ont souhaité, la Seigneur Yo a dit, et ton âme se repose en paix. Amen. Au revoir, au revoir.
leader de l'équipe. Yasolo, Biwa, Eyaka, Elip Sakati. Mais il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Que vieux, il y a un peu de temps, il y a bien. Mais il y a un peu de temps, il y a un peu. Donc, fait, j'ai la ligne qui est en haut, il y a un peu bien. Puisque il y a des gens qui font le télé. Tous à la Namawa, c'est vrai. Les voix, ils apportent la Montagnos, ils apportent la porte de la Montagnos. Tant qu'on est coquille, tu as été à l'équipe la Kimia. Bible le Binabiso, tu y as qui pamba, ma boko pamba, tu as zonga, ma boko pamba. Tiganzambe azwanaye lokungu. Nzambe azwanaye lokungu. Tozane loko ya kupesa yete, toye kuasiste ye, lokola toye na nyoso tozangi nango. Tika ete mukola lilo ezala lokola feti. Oya kokani na nzambe azalite. Nzambe apesaka pe nzambe azwaka. Lokola nzambe asepeli azwaye, tika te volonté na ye e konsefa. Pousse zala ki souwe na biso nyoso. Lokola nzambe azwi ndeko na biso tokumisa komo na nzambe. Moko te akokani na ye. A charité, a charité. Awana se penalola Yemba jalite Unana lola O Yesu nanga Oyo akukani na yo azalite Nzambe oyo akukani na yo azalite Nani akutu na yo pona nino zindu kona miso mon côté, toyebiete, oyo salaka ezamana mpona biso. Tika ete kimia na yon zambe, efanda na biso eto tikali. Tika ete ozwa molimo yandeko na biso, epa yake yin zambe, omo na ye. Azalaki mosali na yo, asali laki yon ase ya tango yo. Toyebiete na mkolo ya rosuka, akoresichite. Tika ete biso to tikali, toko landa ye, me ye ako yale supa ye biso to salite. Yango na tango to tikili bota nyo sana mabuku na yo. Bana owe pa tiki nzambe, sunga bango, bakola, malgre papa salite, meba ye ba ete, nzambe mutabate laka. Nzambe ako bate la bana, pe ako bate la biso to tikali. Tika ete biso pe to landa nzela na yo, senye to ye ba yo. Owe nyo se tikali nzambe zara kuna lukumu na yo, na komo na yo neto bonde yo, ono de Jesus. Amen. Amen. Je vais y faire. Tant que tu as peut-être un peu plus de temps. Vraiment, zongera pays.
que je n'ai pas eu qui. Merci, je suis Kaboué. Je suis malade. Je suis malade, je ne suis pas eu qui. Je suis tout ma casse, je ne suis pas eu qui. Je suis en train de pour continuer pour Simba. Je ne suis pas eu qui. Merci. Je suis un peu plus de la vie.
Un petit mot pour un chantier. Nous devons avoir un master. Merci. Donc, on est Je viens à la fin de la barre, je sais la parole.
Un petit mot pour nos gens. Oui, c'était une idée. Merci Nami, nous avons déjà. Et conseillez-nous pour la famille. Conseil la famille d'Abou Taraka, et les gens de la montagne. Merci. Merci. Un petit mot. Vraiment, nous avons mis à Olbaté. Je crois que probablement, il touchait son instrument, il y a un maoua, un frère à Tikibiso. Je peux dire que.